Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie. Ça commence avec toi. Mon nom est Abdelali Dachour, artiste peintre autodidacte. Naissance 1965 à El Hajj. Comme humain, ma vie n'était pas si généreuse avec moi. Perdant à un âge précoce le père, par pauvreté, ma situation devenait plus délicate. La survie était si pénible pour une famille de nombreuses personnes, ce qui a influencé ma carrière scolaire. En quittant la classe juste au cycle secondaire, au troisième année à l'époque, au second trimestre, après avoir obtenu un encouragement avec une moyenne de 13,45. C'est ainsi commencé une autre vie. Mon attachement à la littérature en général et à la culture m'a poussé à s'auto-instruire. J'ai pas lâché mes hobbies, tels que poésie, trilingue, français, arabe et dialecte marocain. En ce qui concerne la peinture, c'était vraiment une hobby qui m'a fait découvrir le monde tard. J'étais fasciné par différentes écoles, telles que le cubisme, l'impressionnisme, le réalisme, l'abstrait et d'autres. Mon expérience n'a abouti qu'après une longue expérience suite à un butin de souffrance qui a bien accumulé un tas de souffrances qui m'a poussé autrement à réfléchir, de s'exprimer pour l'âme de tout être. C'est pour cela que j'ai intitulé ce butin de cette expérience, sachant bien je ne travaille pas par des pinceaux ou brosses, mais avec une méthode très spéciale, par les branches d'arbres
tel que le pain est entré par les roseaux. Suite à mon attachement à mon environnement, ça peut être suite nécessité et que les matériaux nous font défaut. Tu pars du temps. Alors, je vous convie à explorer mon expérience qui parle à la mondiale avant tout. Et ce butin est dédié pour l'âme de mon père, ainsi que pour ma mère qui est bien militée, et je souligne bien militée, pour chacun de ses orphelins à son avenir propre. C'est le tableau égoïsme qui parle de l'égoïsme, tel que conduit la loi. J'espère que je serai présentateur visuel en couleur. C'est un des plus grands de mes tableaux. Il y a un débat entre la lumière et l'obscurité. C'est pour cela que je l'intitule débat. C'est âme et lumière. Je laisse 8 mètres par l'étude. C'est optimisme. Ça vient de l'optimisme. Et espérer, c'est bon, c'est mieux que de rêver. Ça, c'est lutte contre soi. Puisqu'on lutte toujours contre soi, on est toujours le dilemme. C'est ainsi. C'est s'exprimer de danse, parce que danser, c'est pas toujours la joie. Tableau pour frotter. Il est paré. Technique mix, mais qui est basée sur la poudre de charbon. Vous pouvez s'exclamer qu'il y a des liens entre le charbon et la poudre. Oui, je dis. Que le charbon est l'effet d'humain, ainsi que la méditation. C'est un tableau intitulé méditation. C'est regarder au-delà des propres politiques. C'est s'évader en soi. C'est à l'intérieur.